La vie, c'est un peu comme jouer au Lego. À la base, on a deux choses, un tas et une construction. On prend les pièces du tas et on les emboîte dans la construction. Le jeu, il se termine quand le tas est épuisé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on commence à construire un peu au hasard. Forcément, ça ressemble à rien. On se dit qu'on aurait bien besoin d'un plan. Le plan, on trouve facilement. Par contre, pour le suivre, c'est plus compliqué. D'autant plus qu'on se rend vite compte qu'on n'est pas les seuls à construire. On comprend alors avec frayeur qu'on ne pourra pas suivre de plan. On n'aura pas le contrôle total sur notre construction. On finit par accepter ça. On accepte de se laisser dériver de son plan. Du moins, on essaie. Même si parfois, c'est vraiment pas facile. On se rend compte qu'au final, cette construction anarchique, elle a sa logique. Et que toutes les voies sans issue ont un sens. Un jour, il n'y aura plus de pièces dans le tas. On espère qu'à ce moment-là, on pourra admirer notre construction avec tendresse. Que malgré son côté aléatoire, on aura réussi à l'accepter. À ce moment-là, il ne restera plus qu'à la défaire, ranger les pièces dans la boîte et l'offrir au prochain joueur.